la délocalisation des populations de Bushushu et Nyakumukubi vers des sites plus viables après la sixième catastrophe naturelle survenue le 4 mai dernier dans le territoire de Kalehe est la seule grande réclame de ses habitants. Tunaomba kweli kwa serikali yetu ifanye haraka iwezekanavyo itudelokalize itutoshe hapa itutafutie mahali ambapo tunaweza kuishi sisi mabaki. Ombi niko nayo kwa serikali, mimi napenda kama bangetusikia batutafutie fasi ya kubakia, tutoke make fasi ya kuishi, tutoke mwaima mpromoko za huku Bushushu. Tukumbuke kumaji, tukumbuke kuvaa, mtusaidie, mtuhamishe, mtutoshe hapa kwa sababu wenyewe walibakia nao wangali watakufa. Wakati mpepe napita hapa kwa tunakimbilia hata ni zero air. Tunatoka mnyumba tena tunakimbia. L'administrateur du territoire de Kalehe dit que la demande est déjà prise en compte par l'autorité compétente. Thomas Zirimwa Bagabo dit qu'il travaille avec les leaders locaux sur la question. Au niveau des Bushushu ici, les quelques rescapés qui sont à côté, ils se confinent dans les maisons d'à côté là-bas. Ils nous ont posé un seul problème qui est leurs besoins urgents, que nous disions à l'autorité à tous les niveaux de leur trouver un espace plus libre pour leur délocalisation. Et déjà, nous sommes à pied d'œuvre et l'autorité provinciale nous a demandé de proposer quelques sites qui pouvaient les recevoir tous. Il y a des plantations qu'on peut, disons, on a déjà ciblées de certains concessionnaires. Il y a aussi quelques espaces dont on peut penser les raccorder, mais l'autorité déjà est là, est déjà au courant. Cette catastrophe vient de faire plus de 5525 disparus et plus de 420 corps ont été déjà repêchés des décombres pour enterrement.